Ta-da! C'est désert le mardi, normalement. Hé, hey, Gino, ben, et notre table? Mamma mia, scusi, venez, vous en trouver une autre. Là, c'est bene, non? Ecco, une escalope milanaise et des spaghettis à la carbonara. Mais, Gino, on est mardi. Le mardi, on prend toujours deux salades Capri, sans croûtons, et une grande pizza Volcano avec un supplément poivron que sur une moitié. Ma si, scusi cara mia, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, Cassante, amore mio. Ah, ben voilà pourquoi c'est le bazar. Il est amoureux, le Gino. Mes chers amis, je vous présente Hyacinthe, ma fiancée. Bonsoir, je suis ravie de rencontrer les amis de mon chum. Enchantée, vous êtes de Québec? Montréal. J'ai toujours rêvé d'y aller, il paraît que les gens sont très accueillants. Bon ben moi je vous laisse, hein. J'ai des devoirs à faire et tout. Ciao la compagnie. Et hop! Ben alors, on peut savoir ce qui t'arrive. C'était un peu malpoli ta façon de partir tout à l'heure. Attends un peu, ce serait pas parce que Gino a une copine? Non, aucun rapport. Je suis très contente pour Gino et aussi très contente pour le Québec. C'est génial ce rapprochement culturel, trop fort. Bon, maintenant tu me laisses? Je vais d'abord te dire un truc. Tu sais, Gino est un super pizzaïolo, mais c'est aussi un être humain. Il a le droit d'être amoureux. Ouais, je sais. Mais tu vois, cette Hyacinthe là, je la sens pas. Elle a l'air bizarre, non? Je voudrais pas que Gino soit déçu, c'est tout. Tu trouves que j'ai à bouger, hein? M'excuser? Ah non, plus quoi encore? Ok, t'as gagné, je vais aller lui demander pardon. Hey, oh! Ah. Hey, Gino, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, hey, ciao, cara mia! En l'honneur des Hyacinthe, j'ai décidé de faire quelques picoles et transformations dans les restaurants et d'ajouter des nouvelles spécialités dans les menus, regarde! Pizza à la poutine? Blanquette de caribou? Spaghetti au sirop d'érable? C'est une blague? Ma pas du tout! C'est un concept révolutionnaire! Les mariages entre la cuisine italienne et la gastronomie québécoise! Tiens, je veux que tu sois la première à goûter mes cannelloni du trappeur! Une merveille sublissima! Jamais! Trouve-toi un autre cobaye! Ma... Blanquette de caribou? Spaghetti au sirop d'érable? Effectivement, ça a l'air... Immonde! Je refuse de remettre les pieds chez Gino tant qu'il fera de la cuisine québec-italienne. Ne sois pas injuste. Tu es bien placée pour savoir que l'amour, ça fait faire n'importe quoi. En fait, c'est pas Gino qui m'inquiète, c'est Hyacinthe. Imagine qu'elle soit pas du tout amoureuse de Gino et qu'elle veuille lui piquer tous ses sous. Et si c'était une espionne du KGB? Et si... Ouais, je vais te dire, moi. Le vrai problème, c'est de savoir comment on va manger. Parce que comme tu le sais, je n'ai pas encore trouvé un livre de cuisine qui marche. Ok, tu t'occupes de nous trouver de quoi manger et moi, je me charge de tirer cette histoire d'espionne au clair. Salut! Salut! J'ai besoin d'un conseil. Tu sais que Gino a une amoureuse? Bah oui, Hyacinthe, c'est chouette, hein? Non. Pourquoi? Parce que je sens qu'elle est pas vraiment amoureuse de lui et ça m'inquiète. Oui, mais ce n'est qu'une sensation, il faudra en être vraiment sûr. Et tu te souviens de la première fois que ta mère m'a présenté à Gino? Il m'a fait passer un genre de test. Alors, comme ça, vous êtes l'homme idéal? De qui? De Mia Poupa! Qu'est-ce qu'elle vous trouve? Mais... Désolé, ça va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop farabuto.
Super idée, t'as raison. On va faire la même chose à Miss Caribou. Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez tapé les mots-clés « cuisine » et « nul » sur Internet. Ne vous laissez pas abattre, il vous reste la solution. Un coach de cuisine personnalisé, moi. Alors n'hésitez pas à m'appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas, qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Ça alors, quelle coïncidence. Vous allez vers le centre-ville? Oui, je dois m'acheter des lunettes de soleil. Ah, bah ça c'est drôle, moi aussi je vais par là. Dites, je me demandais, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Gino? Ben, avant tout, sa gentillesse. Et vous êtes amoureuse de lui alors? C'est l'homme de ma vie. J'étais dans la rue, il m'a bousculée et je suis tombée en amour. Hello! Alors comme ça, on cuisine très très mal? Ben oui. Plus pour longtemps. Dites-moi, vous êtes maniaque? Je crois pas, non. Vous êtes jalouse? Non. Et vous êtes fidèle? Bien sûr. Une femme parfaite, quelle galère. Mais pourquoi tu me poses ces questions? Comme ça, pour savoir. Allez, au revoir. Alors, elle va commencer par me faire un petit test simple, histoire que je me rende compte de son niveau. Elle va nous préparer un... je sais pas moi, un petit faux plat. Richard, c'est affreux. Quoi? Hyacinthe n'est pas une femme bien? C'est pire que ça. Elle est géniale. Ah, tant mieux pour Gino alors. C'est ça, ouais. Elle se concentre, elle respire, elle a le poignet souple et zac d'un petit mouvement sec. Victoire! Cette fois, tout est dans la toile! Elle progresse vite. Ma chérie, tiens, tu veux goûter à mon œuf au plat? Alors? Trop cuit, et ce serait nettement meilleur sans tous ces petits morceaux de coquilles qui craquent sous les dents. Gino? Hyacinthe, elle est partie! Hein? Mais pourquoi? Parce qu'une petite ragazza lui a posé des tas de questions indiscrètes et figure-toi que Hyacinthe est persuadée que c'est moi qui t'ai demandé de les lui poser. Non mais ça ne va pas! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller embêter cette pauvre fille, toi? C'est que... Gino, je te connais depuis que je suis toute petite et... Enfin, je crois que le fait que tu changes tout d'un coup, ça m'a fait peur. Peur? Oui, je sais que c'est idiot, mais t'as toujours été une sorte de repère pour moi, alors j'ai un peu perdu la tête, je suis désolée. Mialou, ce n'est pas parce que je suis amoureuse de Hyacinthe que je vais moins t'aimer. Mais maintenant, elle est sans doute perdue à tout jamais. Ne t'en fais pas, il n'est peut-être pas trop tard. C'est vrai, je vais la rattraper. Où est-elle partie? À la gare. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre les trains pour Borgnole. J'y vais.
Écoutez, Gino ne m'a jamais demandé de vous poser toutes ces questions. C'est moi qui l'ai décidé toute seule. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur de le perdre. Ah bon? Mais je... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Gino est malheureux sans vous. Ce serait bien que vous reveniez. Qu'est-ce que vous en dites? Oh non! T'inquiète, on descendra au prochain arrêt et on prendra un train qui nous ramènera à la ville. Bah dis donc, y a pas un chat ce soir. Ma cuisine italo-québécoise n'est plaît à personne. Vous devriez peut-être revenir à la cuisine italienne traditionnelle. Enfin, je dis ça... Mais c'est qui, lui? Tu nous présentes ou quoi? Voici mon coach de cuisine. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Gino risque de nous avoir comme cliente encore longtemps. Et je confirme. Très longtemps. Ma louloute, toujours bloquée sur ton cher Tristan? Ah, il est vraiment trop mignon. Là, il mange un sandwich au poulet. Waouh, trop sexy. Mais dis, pourquoi tu ne vas pas lui parler au lieu de l'espionner? Lui parler? Bah oui, tu sais, les mots, les phrases, tout ça. Mais je suis pas encore tout à fait prête, maman. Tu le connais depuis la maternelle et vous n'avez jamais échangé un mot. Au fond, tu es amoureuse d'un garçon que tu ne connais pas. Erreur! Je sais absolument tout sur lui, figure-toi. Vas-y, regarde. Bon, là, il s'étire, ensuite il va fermer sa BD, et puis il va terminer tranquillement son sandwich, et puis... Non. Hein? Quoi? Non! Mon cœur saigne! Lou! Attends! Enfin, Lou, un doigt dans le nez, c'est rien. Moi-même, de temps en temps, le soir, devant la télé... Je veux pas savoir. C'est dégoûtant. D'accord, ok, d'accord. Allez, ma louloute, sors de cette malle. Non, j'ai besoin d'un peu d'introspection pour comprendre comment j'ai pu aimer un cochon pareil. Introspection? Ok, tu l'auras voulu. Maman? Ma chérie, il arrive un moment où on ne peut pas tout raconter à sa maman. Mais à son journal intime, on peut tout dire. Surtout ses peines de cœur. Non, je préfère rester malheureuse toute ma vie. Mina, j'ai besoin de toi, là. Doigt dans le nez, amour déçu, mal de la honte. Je vois. Nous devons faire face à une situation de crise niveau 8, voire 9. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne vois qu'une seule solution. Faire chauffer du lait. Maintenant, il suffit de compter. 1, 2, 3, top! Mina!
Ok, je vous laisse. Pendant ce temps, je vais vous préparer une surprise, un super déjeuner. Un déjeuner, t'es sûre? Oui, oui, t'inquiète pas. Bon, alors Lou, c'est quoi ce drame avec Tristan, hein? Ne prononce plus jamais ce prénom! Mon cœur a été brisé par les sombres et implacables mâchoires d'un phacogère aux naseaux putrides. Ok, tu nous fais carrément une crise de niveau 12. Tu sais quoi? Il faut que tu passes à autre chose. Tu dois oublier je veux dire, Bob. On va l'appeler Bob. L'oublier? Ben voyons, et comment? T'inquiète, j'ai des tas d'idées. Alors, c'est pas génial d'être ici? Ouais. Tu entends ce doux bruit qui se rapproche? 4, 3, 2, 1... Oh! Yahoo! Là, je parie qu'il va à Madagascar. Et toi? Je sais pas, on fiche. Allez, imagine qu'on est dedans et qu'on fait le tour du monde. Waouh! Hé, tu crois qu'il va où? À Avion. Regarde, un avion cargo. Ouais. Il est vraiment énorme. T'as vu la taille de son nez? Bon alors, curcuma... Il n'y a pas de curcuma à Osaka. Je répète, il n'y a pas de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Chut, silence malheureuse. Quelle est votre stratégie? Sabotage? Infiltration? Non. Fabrication de goulash sildave. C'est pour ma fille. Elle a son premier chagrin d'amour. Un garçon qui s'est mis son doigt dans le nez sans crier gare. Je vois. En 1958, un sorcier Matoutou a recollé les morceaux de mon cœur brisé. En Afrique? Non, en Haute-Marne. Depuis, le maraboutage n'a plus de secret pour moi. Mais ne le répétez à personne. Ok, je vais faire gaffe. Allez, maintenant, vas-y, Lou. Mets-y toutes tes tripes. Il faut l'exorciser, ta douleur. Elle doit rester là, sur le trottoir. Allez, fais-lui sa fête. Waouh, c'est puissant. Alors, ajoutez ensuite les carottes coupées en rondelles. Bien. Voyons voir. Carottes. Oh, bon, allez, va pour du concombre. Après tout, c'est la même chose, en plus gros et en vert. Hop. Voilà. Ajoutez une pincée de sel. Faire mijoter une heure à feu doux sans arrêter de tourner. Ok. Round 2. Fight. Allez, vas-y, sabatte-le comme il le mérite, ce ninja de malheur. Youpi! J'adore ce jeu. Ouais, tu m'étonnes. Allez, continue et n'oublie pas l'attaque spéciale. Voilà, et maintenant, mets-lui un gros punta. Yeah! Bien joué, le bourre-pif! Je suis désolée, mais là, j'ai épuisé tout mon stock d'idées pour te faire oublier, Bob. Je vais être malheureuse à jamais. Désormais, le soleil de l'amour ne luira plus pour moi. Mon existence ne sera plus que... ténèbres. Attends un peu avant les ténèbres. Ta mère nous a préparé un super déjeuner. Sympa, non? Et voilà, du délicieux borscht. C'est une recette sildave destinée à réconforter les amoureux en détresse. Miam, ça sent drôlement bon, hein, Lou? Qu'est-ce qu'il lui prend? Surprenant. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Vous, vous allez manger chez Gino une pizza. Moi, j'ai un petit truc à faire. Rendez-vous ici dans une heure. Il n'y a plus de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Mmh.
Et pour mes petites reines, deux super Regina préparées avec amour par votre Gino. Lou, depuis que tu es entré, tu fais une tête d'enterrement. Ma, tu veux couper l'appétit de tous mes clients. Gino. Oh, mia bambina, si je trouve le misérable qui t'a fait de la peine, il va entendre parler de Gino. Rah, il va déguster et pas une calzone. Bonjour, Gino. Ma pizza est prête? La voilà, Tristan. Buon appetito. Merci, Gino. À plus. C'est bon, Lou. Bob est parti. Ma, qui c'est ce Bob? Un maraboutage anti-cœur brisé. C'est ça ta super idée? Simple et efficace. On rassemble tous les objets appartenant à Bob que tu possèdes. On ajoute un de ses cheveux et on fait tout flamber. Et ensuite, on appelle les pompiers? Mais non! Ensuite, tu es libéré. Ça marche, j'en suis sûre. C'est l'ancien qui me l'a dit, alors? Ah bah alors, tu penses? Allez, Lou, quoi? Ça coûte rien d'essayer. Tu veux l'oublier ou pas, ton Tristan, ton Bob? Ok, ok. J'ai peut-être un ou deux trucs à lui. Mais je promets rien. Génial. Il ne manque qu'un de ses cheveux. Oui, bah désolé maman, j'ai pas ça en stock. Alors autant laisser tomber. Hein. Je ne laisse jamais tomber. Bonjour jeune homme. Voulez-vous aider la science à faire des progrès décisifs qui changeront à jamais la face de l'humanité? Waouh, comment t'as fait? Top secret. Allez, tout le monde en place. Le maraboutage anti-cœur brisé peut commencer. Oh, istu param nazit l'amour, astro kala vrunta spasitu. Adieu à l'amour. Oh, istu param nazit l'amistu. Ah, en fait, l'idée c'est de te casser les oreilles. Comme ça, t'oublies direct ton cœur brisé. Oh, les filles, n'arrêtez pas. Je sens l'esprit du grand Matoutou fondre sur moi. Oh, dis adieu à l'amour, adieu à l'amour, adieu. Banana. Voilà, maintenant, mettre le feu à tout ça, tu dois, et l'oubli, tu trouveras. Bon, allez, quoi, vas-y. Allez, Lou. Et comme ça, j'oublierai mon amour pour toujours. Résultat garanti par le grand sorcier Matoutou de la Haute-Marne. Hein? Oh? Je peux pas. Tristan me dégoûte, mais je ne veux pas l'oublier. J'ai besoin d'être seule maintenant, laissez-moi. À son journal intime, on peut tout dire, surtout ses peines de cœur. Et ça soulage, crois-moi. Allô, Mila, c'est moi. Oui, ça va mieux. Tu sais quoi, Tristan et moi, on est pareil. On est fait l'un pour l'autre. C'est la première fois que je tiens un journal intime. J'ai le trac. Je crois qu'il faut commencer par « Cher journal » ou un truc comme ça, non? Ou alors je présente les personnages comme dans un livre. Ah ouais, je vais faire ça. Alors, lui, ben, c'est Tristan. On pourrait croire que c'est mon amoureux, mais bon, en fait, c'est juste un copain. Ouais. Un très bon copain. Un très très bon copain. Mais un copain. Pas plus, hein. Juste un copain, quoi. Voilà. Thank you.
rentrée, Louloute? Tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, je... Attends, qu'est-ce que c'est qu'est de ma faute, au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu, voilà ce qui est de ta faute. Mais... T'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous, j'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Non. Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher un... n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là, parce que franchement... Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein. Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop, de manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza il y a. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui, en fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou, qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vésuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza il y a. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vésuvio? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? Bah, à cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh, zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la Forêt Vierge. Bah, si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'antilimace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps, après un coup de fil de ma mère, tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle, elle va m'entendre, hein. Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. C'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza il y a. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est?
C'est loup, monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30? 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. Et voilà, une Vesuvio et une quattro fromaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Boubou ne digère pas la quatre fromages. Pas vrai, Boubou? Gino! Ciao, Bella! Que puis-je pour toi, cara mia? Me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à Monsieur Verdier, hein? Je me suis trompé de pizza? Oh, porca miseria! Oui, et du coup, ma mère a été malade et... Un momento. Après réflexion... Non è colpa mia. Comment ça, pas de ta faute? Bah alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, ma y a du travail, tu sais. Et donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier. Presto subito. Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco di gente dans mon restaurant. Quelle question? Je ne m'en souviens plus, j'avais la tête comme une pentola. C'est pour ça que je me suis trompé des pizzas. Mina? Salut. Entre. Salut. Il y a un souci? Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, dis donc, du calme. Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner. Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner. Tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche! Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et au contraire, c'est dingue, ça! Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino! Super idée, maman! Allez, je fonce! À plus! Profites-en pour ramener des pizzas. J'en prendrai une au tofu! Mais alors? C'est la faute de ta mère! Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vesuvio de Monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas! Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que... Que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan. Il doit être furieux. J'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Non, rien. Vas-y, raconte.
Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolée. Tu m'en veux pas trop ? Non, je t'en veux pas. Parce que, au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon ? Ben non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi ? Rien. Ça te dit, un tour ? Au parc ? Ah ben oui. Génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène ? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. Bon, je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Allez, bye. De bord du Zixornufle. Dérivons dans le vide sidéral depuis maintenant 8 jours. Le moteur est définitivement grillé. L'espoir que j'avais de le réparer m'a abandonné. C'était Sidera, baroudeuse du cosmos, commandant et unique membre d'équipage du Zixornufle, présentement à la ramasse. Non ? Coucou, je te parle là. Qu'est-ce que tu fais ? T'es en pleine inspiration ? Bof. Le moteur du Zixornufle est à plat. Ah ouais, je vois. C'est pas toi qui serais un peu à plat, plutôt ? Ouais. Oh ! Je sèche un peu sur mon roman, j'ai pas d'idée, je tourne en rond et du coup, ça me pompe mon énergie. Et sans énergie, eh ben, j'ai pas d'idée. Ok, ok, ok. J'ai saisi le concept. J'imagine que t'as besoin d'un déclic, d'une étincelle. Allez, Jean-Pascal, fais la toupie. Recule. Passe entre mes jambes. Fais le beau. Allez, avance. Saute. Tu sais quoi? Tu es vraiment désespérant. Salut, Lou. Dis-moi, il sait faire des tours, ton chat? Bah, il peut se lécher le dos et mettre ses pattes au-dessus de ses oreilles, mais à part ça, rien de très spectaculaire. Ouais, ok. Sinon, quoi de neuf chez toi? Déprime totale, ma mère est en pyjama, tout amorphe. Ouah, t'en as de la chance. Mina chérie, tu viens avec moi faire un squash? Deux secondes, maman. J'arrive. Ta mère, faut la sortir, Lou. Quelle voix du monde. Tu crois, toi? Ouais. Et ton nouveau voisin, le fameux prince charmant? Ça pourrait la motiver d'avoir un amoureux. Peut-être. Mais concrètement, je fais quoi? T'organises un plan coup de foudre. Tu veux dire comme dans un téléfilm romantique? Pareil. Ils se rencontrent, soi-disant, accidentellement. Et là, paf! Coup de foudre. Ok, je vais essayer. Après tout, j'ai rien à perdre et moi, je déborde d'énergie. Bon, je te raconterai. À plus, Mina. Allez, Jean-Pascal, vas-y, fais-moi voir comment tu grooves. Allez, bouge ton corps. Go, go, go! Alors,
les idées, ça fuse? Ouais, ouais, je suis à fond, là. Ouais, t'as l'air. Et moi, par contre, j'ai une super idée. Si on faisait un gâteau? Oh, bah zut, c'est la misère, ça. On a ni œufs, ni beurre, ni crème. Ni sucre, ni farine, ni levure. On va pas aller loin avec ça. Bon sang, mais je suis nunuche, moi. On a qu'à aller chez le voisin. Il va se faire un plaisir de nous dépanner. Ça se fait, non, entre voisins? Non. Mais non, mais je veux... Allez, allez, allez. Une bonne douche et ça te donnera la frite pour faire notre gâteau. Mais quel gâteau? J'ai pas du tout envie de faire un gâteau. Très bien, on va trouver autre chose. Bouge pas, je reviens dans 5 minutes. Tu bouges pas, hein? Voilà, voilà, j'arrive. Tiens, salut petite voisine. Tu tombes bien, je voulais te remercier de m'avoir aidée pour mon emménagement. Oh, c'était rien. Au fait, je m'appelle Lou. Enchantée, moi c'est Richard. Richard, j'adore. Waouh, c'est trop romantique. Quoi? Hein? Non, rien. Dis, tu t'y connais en électricité? Voilà, c'est cette lampe. Elle a fait paf d'un coup et après pouf, plus de lumière. C'est l'ampoule qui a grillé, quoi. Il faut la changer. Oh, ça doit être drôlement compliqué. Il suffit de dévisser l'ampoule grillée et d'en visser une neuve à la place. Je vais jamais y arriver, hein, c'est sûr. Donne-moi une ampoule neuve, je vais le faire. Génial. Une seconde, le temps d'aller à la salle de bain. Oh. C'est là que on range les ampoules. Ok. Maman! Maman! Mais... j'avais dit une douche, pas un bain. Allez, sors de l'eau, faut que tu t'habilles, j'ai besoin de toi. Oh non, je suis hyper bien, ma louloute, je me détends. En sortant, j'aurai la frite, tu vas voir. Bon, ben, désolé, on est à court d'ampoule. C'est pas grave, je repasserai quand tu en auras acheté une, ça va? Ok, ça marche. Moi, j'ai un gros paquet de linge sale. Je passerai chez toi, en revenant de la laverie. Maman? Maman, je... Bah, maman, mais qu'est-ce que tu fabriques? Fini le bain relaxant. Allez, te laisse pas abattre, je vais tout ranger. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas aller à la laverie sécher tout ça. Quoi? Mais je... Tu préfères rester ici et tout nettoyer? Ça, Jean-Pascal, et prends-en de la graine. Hey, alors, ça avance l'histoire d'amour de ta mère? Écoute, il y a eu quelques imprévus, mais à l'heure qu'il est, elle doit être en train de plier des culottes en papotant avec Richard. Waouh! Voilà, je viens pour réparer la lumière, comme promis. Génial. T'es tout seul?
Tu sais, pour changer une ampoule, je pense que ça devrait suffire. Je veux dire, t'as croisé personne à la laverie? Bah non, pourquoi? Oh, pour rien. Ma mère devait y aller aussi. Non, non, j'ai vu personne, désolé. Oh. Attends-moi, je reviens. Mais, et l'ampoule neuve? Sur le bureau! Maman, allez, réveille-toi maintenant. Hein, quoi? Oh, Lou, ah ben ça alors. Quel rêve. Figure-toi qu'une sorte de jardinier en guimauve m'accusait de lui avoir volé son emmental, hein? Et à ce moment-là, il m'a attaché avec des saucisses. Et il m'a menacé en pointant un savon de Marseille pour me faire avouer. Il est parti. Qui ça? J'en ai assez! Waouh, dis donc, t'as vu? La lampe s'est réparée toute seule. Oh, je vois une louloute qui n'a plus d'énergie tout d'un coup. Tu sais ce qu'il te faut à toi? Un coup de foudre? Ah, non, une gaufre au parc. Hey, Mina! Alors, ta mère et le voisin, ça marche ou pas, finalement? Non, la vie, c'est pas aussi simple qu'un téléfilm romantique, hein. Je croyais que tout allait super bien, qu'ils pliaient des culottes ensemble. C'est ce que je croyais. Mais en fait, ils ont fait que se croiser toute la journée. Et sans se voir. Ah ouais, bah cool. Attends, il se passe un truc, je te rappelle. Vous savez, moi, j'adore me promener dans ce parc. Coucou ma louloute, je te présente Richard, notre nouveau voisin. On se connaît déjà. Lou m'a appelé au secours pour changer l'ampoule de votre bureau. Ah, alors c'était vous. Vous êtes bricoleur en plus. Oui, enfin, je sais changer une ampoule quoi. Mais c'est génial ça. Je pense que je vais faire souvent appel à toi. À vous. Et vous savez où me trouver? Bon, ben, à plus. À plus. Et voilà l'histoire. Il y a eu coup de foudre. Comme dans un téléfilm romantique. Exactement, tout pareil. Et maintenant, ma mère écrit, mais comme une dingue. Elle a jamais eu autant d'énergie. Chérie, prends ton maillot de bain. Il y a nocturne à la piscine du club. Je vois tout à fait le genre. Bon, allez, je te laisse. À demain. Prince Fulgore, besoin d'aide étrangère? Je suis Sidera, baroudeuse du cosmos. Mon vaisseau est en panne depuis 9 jours. Rassurez-vous, je suis un peu bricoleur. Génial. Je sens que je vais souvent faire appel à vous. Dorénavant, vous saurez où me trouver.
Allez, choisis, rose ou blanc. Voyons, que ferait Sidéra dans un cas pareil? Il n'y a pas de super-aide dans le cosmos. Hey, ça va bien? Qu'est-ce que... Salut, oui, ça va, j'achète du... pour... enfin, tu vois quoi. Ah oui, pour... Bon, bah alors, à la prochaine alors, ok? Ok, à la prochaine. C'est tout? Bah quoi? Tu préfères prendre un paquet de 12? Mais non, je parle de Richard et toi. C'est dingue ça. Tu restes là à bafouiller, on dirait moi devant Tristan. Sauf qu'à ton âge, ça craint carrément, je trouve. Bon, hé, ça va, ok. J'attends la bonne occasion. J'ai pas envie qu'on fasse connaissance entre les chocopouf et les poireaux. Hé, Louloute, où tu vas? Oh. Quand on parle du loup... Et voilà. Quoi? Qui c'est la petite vénarde qui est invitée ce soir chez Richard pour une super soirée jazz? Moi? Mais j'y connais rien en jazz. T'inquiète pas, il y aura que des copains à lui super sympas. Ils vont passer des disques en sirotant des sodas, ça va être cool. Et puis c'est trop tard pour reculer, je lui ai dit que tu serais trop contente d'y aller. Loulou, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Mais si, je te jure, tu vas être magnifique. Lève le bras. Quand même, ça fait pas un peu trop chic? Mais non. Tu sais, les adultes comme toi, quand ils vont dans des soirées, ils font des efforts pour être un peu élégants, tu vois. Si tu le dis. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Justement, pour te remercier, moi aussi, je t'ai organisé une petite soirée. Dog sitting chez Monsieur Verdier. Tiens. Attends, t'es en train de me dire que je dois annuler mon super plan espionnage de Tristan pour garder un affreux bulldog? Désolée. Et puis, c'est trop tard pour reculer. J'ai dit à Monsieur Verdier que tu serais trop contente. Ok, bon. Sinon, ta robe est finie. Ouais. J'aimais bien mon pull rouge, en fait. Hey! Bienvenue dans le temple du jazz. Génial, ta robe. Ah, ben, oui, merci. J'avais envie de me déguiser ce soir. Tu fais les présentations, Richard? Bien sûr. Alors, je te présente Vanessa, une copine prof de langue orientale. Et passionnée de jazz, comme lui. Toi aussi? Bien sûr, je suis au top. J'adore le jazz, le free jazz, le... enfin, tous les jazz, quoi. Et tu joues d'un instrument? Évidemment, je joue du... plus précisément, du flutio, de la flûte à bec. C'est ça, je joue de la flûte à bec. Trop fort, c'est hyper original en jazz. Ben, si tu le dis... Viens, je vais te présenter mes autres amis. Je récapitule. Découper sa viande en petits cubes. Sinon, ça fait mal aux dents de bobos. Pas de sucre, sale ballonne. Juste une pomme, il faut l'éplucher avant et enlever les pépins. Pas de souci. Les caresses, il aime bien ça, Bobo. Mais jamais sur les oreilles, ni sur le dos, ni sur les pattes, ni sur le ventre, et ni sur la queue. Ben, où alors? Sur le museau. Et uniquement sur le museau. Je crois que je t'ai tout dit. Bon, je file maintenant. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci, Monsieur Verdier. Je parlais à Bobo. Bon, changement de programme. J'ai déniché un enregistrement live de Richard Monk de 1955. Une rareté. Perso, je trouve que son interprétation du hard bop est carrément féroce. Alors dis-moi, ça te plaît? J'adore. Allez, Tristan, il est 19h50, l'heure de fermer tes rideaux. Yes! Voilà. Waouh, il est trop beau. T'as vu ça, Boubou? Monsieur Verdier ferme pas ses rideaux de façon aussi sexy, hein? Mina, c'est la cata. Ne me dis rien, t'as perdu tes jumelles en surveillant Tristan. Non, c'est le chien de Monsieur Verdier que j'ai perdu en surveillant Tristan. Oh, tu me l'avais jamais faite, celle-là. Je devais le garder ce soir, j'ai fouillé tout l'immeuble, il est nulle part. Il a dû sortir dans la rue. Crétin comme il est, il va pas survivre dehors plus d'une heure. Ah bah, sympa de me rassurer. T'aurais pas plutôt un bon conseil à me donner ou une idée? T'inquiète, les chiens idiots, j'ai l'habitude. Bouge pas, j'arrive. Superbe, les arrangements. Waouh, incroyable. Ah, bah, t'es quoi, ça t'a plu?
tu parles? J'ai adoré. Bien, maintenant, c'est l'heure du bœuf, les amis. Un bœuf, tu veux dire un bœuf musical? Ben oui, une jam session, quoi. On a hâte de vous entendre, toi et ta flûte à bec. Lou! Bah, t'as amené Jean-Pascal? Il connaît Boubou. Il va nous aider à le retrouver. Je te rappelle que les bulldogs sont réputés pour... leur regard absent, leur mollesse, leur appétit sans limite. Leur flair. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pascal s'est déjà perdu dans ton appartement, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Bon, alors fais-lui sentir la laisse de Boubou. Hé! Jean-Pascal! Attends! Reviens! Jean-Pascal! Ben voilà, c'est malin. Maintenant, on a deux chiens à retrouver. Bien vu. Et la faute à qui, hein? Personne t'a demandé d'amener Jean-Pascal? Peut-être, mais c'est pas moi qui ai perdu Boubou. Je regardais Tristan, ok? Je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est bien ça le problème. Bon, très bien. Si tu le prends comme ça, salut. Ouais, c'est ça. Salut. Ce serait cool si t'allais chercher ta flûte à bec. C'est-à-dire qu'elle est en révision chez le flûtier. Tant pis. Gaëtan en a une, il va te la prêter. Ah, mais bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, ben moi aussi. Boubou! Boubou! Boubou n'est plus là, camarade. Il a disparu dans le port de Haïfong en 1946. Merci du renseignement, monsieur. Mais en fait, je cherche un chien. Mais je parle d'un chien, moi aussi. Un bâtard tonkinois d'un mètre au garrot qui ne faisait qu'une bouchée des ragondins géants qui traînaient sur les quais. Je vois. Mais vous savez, le Boubou que je cherche, il est tout petit, rabougri et il bave comme un escargot. Désolé, je n'ai rien croisé d'aussi laid depuis Miguel Ramuncho à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant pis, merci quand même. Cela dit, j'ai une méthode infaillible pour retrouver les chiens. Ah oui? Genre siffler un air tribal dans un ocarina magique un soir de pleine lune? Pas besoin que ce soit la pleine lune. C'est gentil, mais je suis pas assez désespérée pour tomber dans le paranormal. Donc, bonne nuit. Depuis 1946. Je vois. Cependant, je peux vous aider, à condition que vous fassiez confiance au pouvoir du grand Matoutou. Je vais me débrouiller toute seule. Merci. Toujours fâchée? Non, mais j'ai toujours pas retrouvé Jean-Pascal. Bah moi pareil, avec Boubou, il est nulle part.
ce dog-sitting entre direct en première place du top 5 des pires soirées de ma vie. Hmm? Attends, il y a du nouveau. Quoi, t'as retrouvé les chiens? Pas moi. Bah alors qui? Le paranormal. Allez, salut. Revenez quand vous voulez. Merci pour la soirée. C'était hyper sympa, vraiment. Attends, je voulais te demander un truc. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte à bec? Tu veux dire, en comptant le bœuf? Oui. Alors, ça doit faire une heure. Tu sais que t'es douée, tu devrais continuer. Si c'est toi qui me donnes des cours, je veux bien. Quand tu veux. C'est moi, bonsoir, tout s'est bien passé? Oui, impeccable. Il a eu sa viande en petit cube, ses caresses et sa banane. Sa banane? J'avais dit une pomme. Boubou ne tolère pas les bananes. Ça lui donne de l'eczéma. Désolé, vraiment, je... Vous n'avez pas respecté les consignes, tête de linotte. Je ne ferai plus appel à vous. C'est vrai? Mais non, je plaisante. Mon boubou. Alors à la semaine prochaine, même jour, même heure, hein?